Dieu notre Père, tu n'as pas voulu d'autre sacrifice que celui de Jésus, ton Fils, sur la croix, pour le salut du genre humain. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons. Dans la paix du Christ. Ce jour-là, je reprenais ma casquette de correspondant d'un journal local à la demande de mon fils Léobin qui m'a succédé dans cette fonction et qui, étant à Tours, ne pouvait pas être présent. Difficile de résister à l'envie de filmer. En fait, il faut dire. Enlève ta capuche. Oui, c'est de la famille. Prends ta capuche, Bibi. Allez, prends une photo. Non, elle a un appareil, elle ne peut pas enlever sa capuche. Ah bon, elle a un appareil. Attention. Voilà. Oui, c'est super. C'est bien. Apparemment, c'est l'heure. Et maintenant, ah, attends. Vas-y, attends, regarde, regarde, nous, là. Pas trop tôt. Allez, pas trop tôt. Vous pouvez être à 1 mètre, genre. Pas de main dans les poches. Pas de main dans les poches. Un petit peu par là, j'ai essayé. Ouais, voilà, c'est bon, là. On sourit. Sourit. Allez, on regarde, là. Ouais, c'est bon, là. Allez, on prend la une petite dernière pour la route. Ça fait pas de mal. Merci. Tu vas donner le nom de... Il va revenir, c'est fini, moi. Ça va. Le travail du journal filmé se fait dans un mouvement de creusement du temps. La durée de chaque épisode étant de 6 minutes et 40 secondes, règle à laquelle je déroge parfois. La preuve sera faite dans le prochain épisode. Si la masse des rushs est plus importante de jour en jour, ce qui signifie que je filme de plus en plus, et ce qui explique que l'écart du temps entre le tournage et le montage se creuse, le temps s'étire inexorablement. Peut-être que tout cela a commencé avec les frères Lumière. Louis avait fixé cette règle que son appareil de prise de vue était fait pour enregistrer la vie, prendre la nature sur le vif, et rien de plus. Il disait qu'il ne souhaitait que reproduire la vie. Est-ce cela que nous poursuivons avec le journal filmé? Rappelons-nous que Biographe fut le nom donné aux premiers appareils de cinéma américains en 1896, mais les choses ne sont pas si simples. Car depuis les origines du cinéma, le montage a été inventé. Un langage s'est élaboré. Et puis n'oublions pas que l'imprévu, le hasard, est un des matériaux constitutifs de la prise de vue. Je reprends une citation de Labarthe que j'ai trouvée dans le livre « L'épreuve du réel à l'écran » de François Ninet, comme les éléments de réflexion sur lesquels je m'appuie pour écrire le texte de cette voix off. Dans les restos chinois. Ça aurait une tête horrible en plus. Pour Labarthe, le hasard figure ce qu'il y a de plus concret dans l'image, ce que la caméra enregistre le plus objectivement. Ça m'étonnerait même pas que ce soit comme ça. Hein. Bah bien sûr, il... Ils doivent même recevoir tout coupé à l'avant, ils doivent acheter en gros coupé
si les filmeurs cherchent à reproduire la vie, peut-être parviennent-ils seulement à la contrefaire pour mieux la sauvegarder.